Bon, bah, on a repris quand ça, lundi dernier. Bah, le 6. Le 6, ouais. Bah, la reprise, ça se passe bien. On a un préparateur physique qui est pas mal. Il nous fait bien travailler. Il y va progressivement, donc on n'est pas mort, on va pas être mort d'entrée. Je pense que les gens ils flippent un peu parce qu'on reprend super tôt, ils pensent qu'on va être cramé assez vite, mais je pense que c'est bien géré par le préparateur physique justement et puis Pascal. Et sinon au niveau de l'intégration de l'équipe, bah, ça se passe super bien pour le moment. Maintenant il reste plus qu'à gagner des matchs pour que ça continue à se passer bien. Ouais. C'est comme ça. Et comment tu te sens? Moi je me sens bien, j'ai pas trop coupé. J'ai coupé deux semaines et après j'ai repris super tôt pour être bien physiquement et faire vraiment une bonne saison. Donc maintenant il va falloir taffer ça. On tombe sur une poule qui est pas trop mal pour nous, je pense. On évite les équipes du Nord. Elle va être assez relevée au niveau des derbies parce que ça va être vachement important. Derby c'est pas un match comme les autres. Il va falloir vraiment être fort pendant les derbies parce que je pense que ça va jouer ici là le maintien. Donc voilà, après bon, les prétendants on les connaît je pense. Poissy, Gravenchon, Fécamp, à mon avis. Ça doit être les trois plus grosses équipes de la poule. Donc maintenant à nous de tirer notre épingle du jeu dans cette poule et puis bah, se maintenir au plus vite pour faire une bonne saison et puis finir bien. C'est avec nous donc. Les gars pour l'instant on fait quasiment que courir. Donc là on reprend un petit peu le ballon aujourd'hui quoi. Donc ça se passe bien, les gars adhèrent à la prépa physique, on court beaucoup, on fait du fractionné, un petit peu de travail physique, ça fait jamais de mal avant d'attaquer la saison. Et tu les as sentis comment justement? Ils étaient bien déjà en retour, donc on était agréablement surpris avec le préparateur physique parce que tout le monde s'était un petit peu entretenu et justement il y a eu pas ils ont couru la première séance comme s'ils avaient jamais arrêté, donc non ils étaient prêts, ils avaient bien préparé quoi. D'accord. Et tu penses être prêt pour quand? Avant le championnat? Mon objectif c'est d'être prêt le 22. Premier match. Être prêt, c'est être prêt physiquement et collectivement. Donc, je pense que 2 mois, ça sera pas trop. On intègre pas mal de nouveaux joueurs, donc il faut un peu de temps pour retrouver des automatismes et pour travailler quelques situations de jeu qu'on utilisera en match. Et l'état d'esprit, comment tu sens ce joueur? Les gars sont plus que partants là. Ouais, on a repris le 6 août, on était 14. On a été 14 toute la semaine. Bon là on est un peu moins nombreux ce soir mais c'était pas vu. Donc Non, les gars sont prêts, sont dans la dynamique de la montée. Ils montrent beaucoup de bonne volonté pour démarrer la saison. Espérons que les victoires vont suivre rapidement et pour garder la même dynamique. D'accord. Donc les victoires pendant les matchs amicaux aussi ou peu importe? Peu importe, les matchs amicaux, on s'en fiche, c'est pour travailler, donc et c'est pour justement trouver notre automatisme, que l'équipe, que chacun se connaisse un petit peu, etc. Victoire ou défaite, ça changera pas grand chose à la donne. L'important, ça va être en championnat, où là, faut gagner, il n'y a pas d'autres alternatives.